نيو جيرسي ستكون أول محطة ضمن رحلتنا لهذا اليوم، حيث سنحل ضيوفاً لدى رحيم مسرار، مثال للمرأة المغربية المتعلقة بالعمل. فمنذ استقرارها بالمغرب عملت في مجال العقار لتغير الأقدار وجهتها صوب الولايات المتحدة الأمريكية وتتم بذلك مسيرتها المهنية، لكن هذه المرة رفقة زوجها. J'ai rencontré mon mari au Maroc. Il vivait à l'époque aux États-Unis en 89. Et j'étais dans l'immobilier au Maroc. J'étais sur Casa, je faisais de l'immobilier. Et puis je suis venue en vacances ici aux États-Unis. J'ai vu, alors il m'a proposé si, pour mariage si on peut vivre aux États-Unis. À l'époque, je n'étais pas intéressée par l'idée. Je lui ai dit, alors, s'il y a quelque chose à faire entre le Maroc et les États-Unis. Alors, je suis venue, on a cherché, on a trouvé, on a fait le blue jean au début. On ramenait le tissu d'ici des États-Unis, on le fait entrer en AT, en admission temporaire. On le confectionne au Maroc. Et on avait un bureau à Manhattan. Il y avait quelqu'un de la famille qui nous aidait, qui restait sur place quand on part au Maroc. Et on était tout le temps entre Casa, New York. Après, on a fait des projets, plein de projets. On a fait l'immobilier, on était dans le plastique, on était dans la confection, on était dans l'import-export, on était un peu dans tout. Et après, un jour, mon mari a dit, alors il faut s'installer définitivement aux États-Unis. C'est comme ça qu'on est venu définitivement ici. Quand on s'est installé ici, définitivement, c'était pour un restaurant. On est venu spécialement pour un restaurant à faire avec quelqu'un de la famille. On a fait un grand restaurant, un peu plus grand que ça. On est resté un peu et on a quitté pour faire autre chose. Parce que vraiment, le restaurant ici aux États-Unis, c'est juste pour une seule personne, pas pour plusieurs associés. C'est pas beaucoup de gains. Alors on a fait d'autres choses, on a fait la station d'essence, on a fait l'importation des produits alimentaires, on travaillait avec le Canada et la Floride. Mais Inch'Allah, on a un projet de faire de l'importation du Maroc, produits alimentaires marocains. It's a good business because when we sit here we're all like a family pretty much because you know, you don't. When you work at a restaurant, like the corporate structure, you don't know anybody, everything's all superficial, everything has to be done to a certain standard. Here, we kind of, everything's more loose. We can just do everything to our own personal ways. Get things done. Honestly, it's a less stressful environment. It's nowhere near as stressful. وبمجهوداتها الشخصية ومساعدة زوجها استطاعت رحيمة فتح مطعم كبير يشهد إقبال جميع الفئات ويعنى بتنظيم أعياد الميلاد والحفلات. On fait la delivery, on délivre, on fait le catering. Et on a des catering qu'on fait, on a deux hôpitaux. On délivre like 125 déjeuners. Pour le dining room, c'est un peu quand on fait les coupons, les réductions. 25% ou 10% ou juste un dîner gratuit à un autre payant. Alors les gens, ils viennent à Gogo. C'est pour aider parce qu'il y a la crise. La crise, c'est vraiment un peu difficile pour les gens. Alors on essaie d'aider les gens pour venir passer du beau temps. مرحبا بكم، سي على ماروكين، لانفيتاسيون اللي على ماروكين، لا جينيروزيتي ماروكين. الوغ سي دو تي ماروكين افيك دو نعناع، لا مونت فيرت، لي اورغانيك، سي دو مون جاردان.
وإلى هذه الحديقة اصطحبتنا رحيمة لتطلعنا على مكان مشروع مستقبلي ستنشئه هنا. مشروع هو عبارة عن دار ضيافة مغربية سيحمل بين رداهاته وعلى واجهاته وضمن خدماته مختلف معالم ومقومات الثقافة والحياة المغربية الأصيلة. C'est une maison d'hôte que je vais faire à la marocaine, avec une piscine, avec des tentes berbères et avec des serveurs habillés à la marocaine, et peut-être avec showroom, avec la fourniture marocaine, l'ameublement marocain.